हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा. Une version Sylvie d'Apiak Papdada, c'est un extrait du Molière du 13 février 1999. Chacun de vous, les enfants, est ici. Et il y a aussi des enfants qui sont assis à l'extérieur. Qui célèbre, les enfants qui célèbrent. Donc, tout au long du cycle, personne d'autre ne peut célébrer un tel anniversaire. Les enfants et leurs pères ne peuvent naître ensemble à aucune autre époque. Pouvez-vous mesurer votre bonheur? Est-il mesurable? Rien n'a été inventé dans ce monde pour mesurer votre bonheur halakhique. Et si quelqu'un vous demandait si votre bonheur est aussi vaste que l'océan, que diriez-vous? Que l'océan n'est rien à comparer à votre bonheur, Acha. Votre bonheur est-il aussi grand que le ciel? Votre maison et votre région subtile sont-ils bien au-delà du ciel? Par conséquent, il n'existe aucun instrument pour mesurer votre bonheur et il n'y en aura pas. Vous ressentez tellement de bonheur. Donc, applaudissez d'une main. Et tout le monde fait un signe de la main. Vous avez tous levé la main pour dire que vous aviez ce bonheur. Alors, félicitations. Maintenant, passons à la deuxième question. Vous avez tous compris, cela vous amuse. Dada veut voir chaque enfant comme une rose spirituelle, totalement épanouie. Pas à moitié en fleurs. Elle doit être constamment et pleinement épanouie. Une fleur complètement épanouie est si belle. C'est un plaisir rien que de le regarder, mais si elle est ne serait-ce que légèrement fanée, que faites-vous? Vous la mettez de côté. Baba ne vous met pas de côté. Mais c'est vous qui vous écartez. Vers une famille d'anges, unis dans l'amour pour l'unique.
Je pense qu'il va y avoir un hommage à Daddy. Quelques images. Aperçu du jour de Daddy G. Hey Bhagirathi Chota Nandi, tum sabki pran pyari ho. Hey Bhagirathi Chota Nandi, tum sabki pran pyari ho. Shant Sheetal Sadgi Wali. शांत शीतल सादगी वाली मीठी मीठी दादी हमारी हो मीठी मीठी दादी हमारी हो हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो तुम सबकी प्राण प्यारी हो Om Shanti, le visage de chacun a l'air si bien. Chacun est tourné vers l'unique. Beaucoup ont de l'amour pour l'unique. Vous êtes tous lovely dans l'ivresse divine de votre intellect et avec un baba et personne d'autre. Concrètement, Baba est en face de vous. Regardez à Baba, à chaque activité de Baba. Vous savez tous comment le suivre de toute façon. Donc, si vous portez attention sur votre propre soi, comme cela, sur votre propre soi, parce que le souvenir est dans l'esprit, quelque chose ou d'autre va, vous allez vous en souvenir au lieu de votre baba, peut-être que vous pourriez vous souvenir ce que baba a fait ou que ce que baba est assis dans votre intellect. Mais Baba, les trésors reçus à travers Baba, alors si Baba peut le faire, alors ne pouvez-vous pas le faire? C'est juste une question de porter attention.
Le yoga veut dire, signifie devenir égal. Om Shanti. Om Shanti. Become a carefree emperor. Devenez un empereur sans souci de la terre, sans peine, en ayant empli de toutes les acquisitions. Be seated on the throne. Assis sur votre trône, portez la couronne et le tilak. Never engage yourself. Ne vous engagez jamais dans le fait de briser le rocher des problèmes avec le marteau des pensées perdues. Cessez maintenant ce type de labeur et devenez des empereurs de la terre sans peine. Alors, le mot problème n'existera plus et vous n'aurez plus à passer encore et encore du temps à résoudre des problèmes. Ces vieux sanskars qui sont les vôtres se soumettront à vous et ne vous attaqueront plus. Par conséquent, soyez un empereur, siégez sur votre trône et portez votre couronne et portez votre tilak. Om Shanti. Om Shanti, bienvenue avec Tiparipa. Aujourd'hui, être assis sur le trône, c'est un jour spécial. J'espère que vous avez tous profité du vidéo avec Daddy G. Donc, nous avons de très beaux souvenirs de Daddy G. Le thème, c'est d'être assis sur le trône et de porter votre couronne et votre tilak. Maintenant, c'est le jour 11, devenir un empereur sans souci. De la terre sans peine en étant empli de toutes les acquisitions. Être assis sur le trône, portez votre couronne et portez votre tilak. Et maintenant, Moïse Tizi va nous partager les paroles de sagesse.
Om Shanti. Et Baba regarde chacun comme une fleur épanouie. Lorsque la fleur est épanouie, elle est aimée par tous. Si elle n'est pas épanouie, elle fait comme s'écarter un peu. Baba garde toujours les enfants près de lui, mais eux-mêmes se séparent de Baba, loin du bouquet de fleurs. Mais aussi comme les fleurs épanouies, Baba, ses yeux, de la façon qu'il nous regarde, si nous pouvons vraiment nous regarder de la même façon, et c'était une des spécialités de Dadi Guza, elle a créé cette image de la manière que Baba l'a regardée. Quelquefois, nous disons que nous devons être des incarnations et donc nous portons attention à la connaissance et d'être des images de cette connaissance. Mais ensuite, c'est une méthode. Nous appelons cela à travers notre dharana, mais de la façon que Baba nous regarde. Je pense que toutes les dadis on commence à se regarder de la même manière que Baba les regardait. C'est une très belle méthode. Même comme la façon que les grands-parents regardent les petits-enfants, on dit, oh, vous êtes des petits rois. Et donc, les enfants ont une certaine ivresse. Ils disent, oui, c'est ce que nous sommes. Donc, je pense que Dadi Guza et toutes les dadis sont devenues ce qu'elles sont devenues parce qu'elles se regardaient avec le drishti de Baba. Pour notre devoir aujourd'hui, quel est le drishti de Baba sur moi? Comment dois-je devenir? Quelle incarnation dois-je devenir? Aujourd'hui, Baba veut nous voir comme des rois, des empereurs. Même pendant tout le mois, Baba a partagé de devenir un empereur sans souci, libre de la peine et devenir des rois sans souci. Mais dans notre conscience, oui, nous le faisons. Mais ce que veut Baba nous montre, et de façon concrète, Baba dit, premièrement, soyez assis sur le trône. Que vous soyez un vrai roi ou que vous devez jouer le rôle d'un roi, vous devez vous asseoir sur le trône et ensuite, on vous donne la couronne. Et après vous avoir décoré avec la couronne, ils vous mettent un tilak au centre du front. Donc, c'est la cérémonie pour vous rendre comme un roi. Et donc, vous ne faites plus de labeur, aucun type de labeur. Ne vous engagez jamais à briser les rochers des problèmes avec le marteau des pensées perdues. Gaspillez, Baba dit maintenant, cessez cette forme de labeur et devenez des empereurs de la terre sans peine. Alors, le mot
problème n'existera plus. Et vous n'aurez plus à passer encore et encore du temps à résoudre des problèmes. Baba dit, ces vieux sanskars, qui sont les vôtres, se soumettront à vous. Ils vont devenir vos serviteurs et ils ne vous attaqueront plus. Donc, soyez un empereur, siégez sur le trône, portez votre couronne et portez, Baba dit, portez aussi votre tilak sur le front. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous sentez-vous? Êtes-vous un empereur, un roi? Vous n'avez pas de marteau dans vos mains, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous avez un marteau dans vos mains, cela veut dire que vous avez des pensées perdues. Si vous avez ces pensées perdues, vous n'aurez pas l'air d'un empereur, alors profitez-en. C'est cette magnifique image de vous-même en tant qu'empereur, en tant que roi complet. Om Shanti. Donc, c'est ce qu'on dit ce soir. Elle dit, moi, elle dit, t'es revenue à la maison. Elle dit oui. Elle dit oui, je suis arrivée aujourd'hui de Delhi. Elle dit, je pensais à Baba Dada quand il avait cette petite toux, vraiment. Elle dit, on est tous venus comme égaux avec cette petite toux. Peut-être que tu voudrais commenter sur ta journée aujourd'hui. Est-ce que tu as eu un touching, une réalisation spéciale pour toi aujourd'hui? Moïni dit, c'est très intéressant que les vibrations tout en offrant Bog étaient si puissantes. C'est tout l'amour de chacun pour Dadi et aussi ce désir sincère que tous veulent devenir parfaits, veulent devenir comme Dadi ou comme Baba. À beaucoup d'endroits, nous sommes assis dans la chambre Dadi et tous ces espaces qu'ils ont créés, un peu semblables aux espaces de Dadi Janki qu'ils ont créés, qu'une centaine de personnes peuvent s'asseoir. Ce sont des endroits différents, des lieux différents, mais je pense. Et Baba le mentionne aussi, parce que sa nature était simple. Et grâce à cela, tout ce qu'elle faisait était facile et rien n'était compliqué. Donc, d'où viennent les complications? Elles viennent du soi. Donc, cette réalisation que je dois faire cela très simple. Et ce n'est possible que si ma nature, mon attitude est simple, et tout sera facile. Wadi dit, je veux remercier Avyakti Parivar pour ses vidéos sur la Degusa. Elle dit, quelquefois, il y a tant de mots, je ne peux pas tous les absorber. Elle dit, mais cette image, quelquefois, vaut 1000 mots. Et en regardant ce vidéo, le cœur s'ouvre. Chaque scène, chaque image de Dagusa
nous a rappelé quelque chose. Quelque chose que tu as dit dans le message de Beau. Pourquoi est-ce que les hommes demandent où je suis, où Daddy Goza est? Elle dit, je suis toujours avec Baba. Je n'y ai pas pensé avant, mais lorsque nous sommes dans le corps, en tant que Brahmin, nous devons faire des efforts d'être avec Baba, mais il y a un niveau où les âmes n'ont plus besoin de faire des efforts, mais Baba les garde avec eux. C'est cette histoire. Of the names of those whom God remembered. And so, is that the case? Donc, elle parle de deux livres, un livre plus épais où ce sont les noms des gens qui se souviennent de Baba et un autre livre beaucoup plus petit, les noms des gens que Baba se souvient. Je ne sais pas trop de quoi elle parle. Mohini dit oui. Une chose à laquelle je pensais, que lorsque Baba parle des âmes, the source of their religion. So I was thinking it won't be only one Christ, but all those who were very next to him. Absolutely. They all be together. Absolutely. So that's... Donc elle dit qu'il n'y aura pas seulement un Christ, mais toutes les âmes qui étaient proches de lui. Donc pour continuer la tâche des religions, on dit comment est-ce que Baba peut être seul? Et ceux qui étaient vraiment proches, comme Dadi Prakashmani, Mama, donc quelques-uns sont avec Baba et continuent de jouer ce rôle. Parce que juste pour Dadi, de penser même que Dadi Janki pourrait vivre une vie dans l'âge de face, c'est impensable. Donc, bien sûr qu'elle reste avec Baba pour l'aider à compléter la tâche. Wadi dit, c'est une autre pensée. Cette idée que Dieu a besoin de nous. Pas que Dieu est dans le besoin, mais qu'il a besoin de nous pour compléter la tâche. Je me demandais s'il y a une différence dans ce que Baba a besoin de nous en 2024 ou en 1974. Moïni dit, lorsque notre niveau devient parfait, donc les dadis sont devenus parfaits, le pouvoir de pureté, l'amour pour les sujets, tous ces pouvoirs ont été utilisés ou ils sont en train d'être créés, mais pour nous, parce que notre niveau n'est pas complet, j'ai encore besoin d'un certain pourcentage de pureté ou d'amour, parce que les dadis sont devenus parfaits, donc leur aide est 100%. Notre aide est selon notre niveau. Même si maintenant, bien sûr, nous sommes des serviteurs, nous avons Baba dans le service, mais encore une fois, ce n'est pas seulement parce que je sers un groupe d'âmes ou des VIP, mais n'oubliez pas ce que Baba nous utilise dans nos pouvoirs, dans nos vertus. Non, pas seulement en donnant le message, mais ce sont les pouvoirs subtils que l'âme possède, que Baba utilise
ou qui sont utilisés de bonne manière. Donc, parce que l'établissement, c'est la pureté, l'amour. Ce qu'on a besoin, c'est de l'amour, de la sagesse. Donc, toutes ces qualités, ces pouvoirs sont utilisés. Bon, Wadi dit quelque chose qu'il a dit quand nous gardons occupé l'esprit intellect. C'est comme une protection pour nous. C'est pour nous protéger. Ensuite, il l'a dit. Il va venir un temps où tous vos facilités vont devenir inutiles. Donc, il dit que le service te protège. Oui, il dit définitivement les signaux. Recevons ces signaux, ils viennent tous des Murliavyaks. Depuis quelques jours, je trouve que je suis attirée, beaucoup attirée. Et j'essaie de voir qu'est-ce que Baba veut que je sois, quel devrait être notre niveau. Donc, l'attirance augmente. Je trouve que les âmes autour sont toutes occupées dans le karma yoga. Elles sont heureuses. Mais en ce moment, tout ce qui est subtil, expérimenter le pouvoir de Baba, expérimenter la protection de Baba, expérimenter ce que Baba veut que nous fassions, je continue de dire, c'est Avyakti Bhava. Nous devions nous souvenir encore plus de l'Avyakta. Je ressens beaucoup, beaucoup d'attirance, dit Mohini. Wadi dit, j'ai quelques expériences, pas tout le temps, mais... Donc, il y a cette énergie subtile qui opère lorsque nous faisons du service plus ordinaire, mais aussi nous devrions avoir l'expérience constante d'être dans le service subtil. Mohini dit, oui, je pense cela. Il dit, OK, merci beaucoup. Encore, tu as répondu à mes questions, peut-être hier. Je me demandais à propos de ta relation avec Daddy Gozar, Delhi, et ensuite, une question très courte. Pour toi, est-ce qu'il y a un avant et après Daddy Gozar? Avant que Baba devienne Avyakta et après qu'il est devenu Avyakta? Son rôle a changé, mais as-tu vu une différence? Mohini dit, c'est une bonne question. Je pourrais la prendre demain. Merci beaucoup, Om Shanti. Om Shanti. Le Murliavyak depuis 1969, des multimillions de fois fortunées et des bénédictions. Parlant au cœur d'un ange. Donc, la raison d'une attitude de espiègle, c'est qu'on oublie la promesse. C'est le 1972.
Arrivez au pays de la transformation, faites-vous l'expérience de votre transformation. Venir dans une gâtie signifie brûler vos faiblesses et vos défauts. Alors, faites-vous l'expérience que vos faiblesses s'éloignent de vous pour toujours. Vous remplissez-vous d'autant de pouvoir de volonté parce que la transformation de ce temps deviendra une transformation pour tous les temps. Quand on met quelque chose dans le feu, sa forme, sa couleur et sa tâche changent. Elle ne peut pas rester la même qu'avant. Sa forme, sa couleur et sa tâche change pour toujours. De même, ressentez-vous en vous-même la forme et la couleur de vos faiblesses comme ayant changé. Provoquez-vous cette transformation. Faites naître en vous la pensée déterminée que vous devez absolument transformer avant de partir. Que toutes les faiblesses soient complètement brûlées dans le feu de la détermination. Si le feu n'est pas intense, la forme de tout ce qui a été mis dans le feu n'est pas la même qu'avant et ne se transforme pas totalement. Il reste incomplet. Vérifiez si le feu de ses pensées élevées était si intense ou si vous avez simplement eu une pensée ordinaire. Oui, nous faisons des efforts. Cela arrivera certainement. Ce n'est pas ce que l'on appelle un effort intense. Being an intense effort maker. Ceci est appelé être un faiseur d'efforts intense. Ayant atteint cette objectif en ce moment, faites-vous l'expérience de votre niveau, que votre niveau est celui d'un faiseur d'efforts intense. Ceux qui pensent cela, aussitôt qu'ils sont venus dans la terre de la transformation, ils sont venus sur la liste de ceux qui sont des faiseurs d'efforts intenses. Alors, ceux qui sont devenus cela, levez la main. Êtes-vous devenu un faiseur d'efforts intenses? Vous avez acquis vous avez une acquisition impérissable du Père impérissable, n'est-ce pas? Puisque le Père est impérissable et que votre accomplissement est également impérissable, alors le niveau que vous créez avec l'accomplissement impérissable devrait également être impérissable. Vous considérez-vous courageux à ce point? Qu'avec votre attitude pure, vous pouvez transformer votre famille, les circonstances et la nature. Si votre attitude est élevée, alors face à cette attitude, ni la famille, ni aucun type de circonstance ne peut causer une quelconque attaque. Parce que vous avez cette attitude pure d'être maître à l'autorité toute puissante, d'un savoir et d'une puissance, alors avez-vous élevé votre attitude à ce niveau? Vérifiez toujours si votre attitude est élevée et si vous n'avez pas une attitude ordinaire. In order to make your attitude elevated, afin
de rendre gratitude les filles et de vous libérer des circonstances de la famille tout en vivant dans la famille. Quelle méthode devez-vous adopter? On vous a dit précédemment que dans la bhakti, ils font un effort spirituel. Alors ici, sur le chemin de la connaissance, vous avez la méthode. Acha. Cela va se continuer demain au chantier.